Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolou, comment ça va? On se retrouve pour l'SP de Pokémon version noir et blanc en mode Nuzzle Change. J'espère que vous allez bien, bah moi ça va super et nous sommes en compagnie de Crawler, comment ça Eh ben salut, ça va super, épisode numéro 28 de Pokémon Noir et Blanc en mode Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui on va faire l'arène de Genusia, la huitième et dernière arène du jeu, type va? Ouais, dragon. ça Donc va être totalement tendu. ouais, ça va être hard. Ouais. Donc voilà, donc moi j'ai... Oui d'ailleurs, Sharpness, il y a une faute dans Sharpness, mais sur le layout c'est écrit correctement, donc... S'il vous plaît, mettez pas assez mal écrit dans les commentaires, ça sert à rien, c'est bon, je sais. En Donc gros, voilà. faites pas chier. Non, mais voilà, mais faut spammez pas, c'est qu'il y a un H, machin, machin. Non, c'est bon, je sais. Dès que je pourrais, de toute façon, dès que je peux le changer, je le changerai. Et donc voilà, je lui ai mis le multi-exp et j'ai boulette en premier, donc bah on est parti. Ok. Et aussi, j'ai acheté 50 50 racines énergie, donc voilà, qui restaure 200 PV, Hein, donc 50? ouais, comme ça j'en ai le stock pour la fin du jeu. Par Parce que contre, en le fait ça coûte Pokémon. pas cher, du coup j'ai pu en acheter plein. Du coup voilà. Bon bah moi je fais marteau point hein, contre le 1-6-H là. Ok. Et je le one shot pas, c'est assez con. Ah ouais? Ouais. Putain, et s'il résiste à l'arène, tu vas avoir mal, hein, parce que s'il fait des danses draco, mon gars, tu vas pas kiffer, hein. Ça, il a fait danse Draco, mais après il a fait provoque, du coup je vais le tuer. Provoque, ça Fait. sert, hein. Ouais, ça t'oblige d'attaquer en fait, ça t'empêche de faire genre danse lame, rengorgement et tous les trucs dans le genre. Mais ouais, ce qui est chaud, c'est quand c'est que le dragon ça résiste au feu, du coup je pourrais pas faire point de feu et tout. Tu vois, Ouais. point de feu, bout de feu, je peux pas faire. Je suis d'accord. Donc voilà, donc ouais, donc l'arène c'est un gros dragon en fait. Ouais, y a pas mal de dresseurs. Hein. Ouais, au moins 10 je pense. Et donc c'est un dragon, faut marcher sur des interrupteurs pour qu'il se déplace et que ça libère le chemin. Donc je suis au deuxième dresseur là. Hein. Ok. Je sais pas où t'es, mais. Je sais pas. T'as battu le Solochi là? Oui. Ouais, lui, je l'ai battu. J'ai fait marteau point, super efficace, one shot. Parce qu'il était. Il est type ténèbres. Hop. C'est bien, Flambi, je suis fier de toi. Ah mais tu utilises Flambi toi? Ouais. Il y en Ouais, a, je ils suis ont fier. Machouille, hein, je crois. Ah bah, je changerai. Ok, bon, je suis au troisième dresseur. Ok. Ok, il a un 6H. On va se soigner quand même. Je vais faire rengorgement comme ça, je pourrais le one shot après. D'accord. Puis ça augmente ma défense du coup. Ah non, ça augmente l'attaque et l'attaque spé. Ok, bon. Donc faut faire gaffe quand même. Et tu m'avais dit que selon la version, moi j'aurais Iris et toi Ouais. Watson. Ouais, voilà. Moi je vais. Le champion c'est Watson et toi c'est Iris. Mais ils ont les mêmes Pokémon donc ça change rien. Ouais, moi je vais vraiment avoir peur du Tranchodon. Ouh, il veut apprendre surpuissance mon boulette. Oh GG. Par contre, ça a que 5 PP. Ouais, mais ça baisse l'attaque et la défense une fois qu'on l'a utilisé. Donc c'est. Franchement, je préfère marteau point. En plus, marteau point, ça a 10 PP. Ah, c'est un petit peu risqué en plus. Ouais, garder les anciennes capacités, abandonner surpuissance. Donc voilà. Wouah, Flambi attaque spéciale 149. Franchement, les 1-6-H, c'est cheaté, hein. Ça fait flipper les 1-6-H. Ouais, Dracogriff, c'est vrai que ça fait beaucoup C'est de surtout quand il fait danse Draco, là t'as bien mal quand il fait danse Draco, dégâts. Ouais. t'es oh putain, je suis dans la merde. J'avoue, c'est que ça fait mal. Ok, bon.
Ça c'est fait. Dresseur d'après. T'es quel dresseur toi? Je sais pas du tout, alors là, je suis l'espèce de montagnard là. Ok, bon, Il a quoi lui? je sais pas où il est. Ah mais t'en as déjà fait pas mal là, dresseur en fait. Dark Armin est là. Il s'appelle Samy. Un vénérable. Oh putain, 42 ouais. Moi j'en ai pas fait, j'en suis pas du tout à là encore. Hein. Ah mais Flamby, ouais, j'ai tout. J'en suis à une meuf qui a un 6H niveau 41. Ok, marteau oh point. Putain, je vais changer de Pokémon, hein. Pourquoi? Parce que voilà, tranche nuit sur Flamby, bah ça fait beaucoup de dégâts. Bon, t'es contre qui? Le Dark Arm. Oh putain, il a fait danse Draco, il me fait Draco Griffe. Oh le bâtard. C'est marteau point dans ta gueule. Ouh, ça fait mal, yes. Putain, il m'a enlevé la moitié de ma vie en une attaque, ce bâtard de 1-6-H. Hein. Ah, quand même. Parce qu'il a fait une fois dans ce Draco, juste il a fait une fois, c'est tout, et il m'enlève tout ça. Mais tu prends qui? Bah Boulette. Ah ouais, mais il vaut combien ton Boulette? 47. Pourquoi il est niveau combien ton machin là, ton Flamby? Alors Flamby il est niveau combien? Attends, déjà je vais me soigner parce que excuse-moi, parce que là je prends quand même pas mal de dégâts. 47. Et Boulette. Boule 47 aussi. Putain, faut que je mette une potion là. C'est cheaté la chance, hein, putain. Mais. Putain, mais elles sont où mes racines énergie là? Ah, elles sont là. Voilà, donc j'en ai 50, hein, donc. 50, ouais, c'est parfait pour la ligue, hein. Par contre, le racine énergie, ça déplaît au Pokémon, à ce que j'avais compris. Ouais, mais c'est pas grave, vu qu'il a pas besoin d'amitié pour évoluer. De toute façon, il est déjà évolué. C'est vrai. Donc, on s'en fout. Je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Solochim fait un peu peur, quand même. Bon. Ah ouais, ouais, je vois le vénérable, là, le... Attends, je crois que c'est lui, hein, je suis pas sûr. Et donc tu dis qu'il a un Dracarmin. Ouais, niveau 42. Ouais, Vénérable Samy. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais Dracarmin, il est pas type vol, non? Je sais pas du... Alors, je sais pas du tout son type. Je sais pas du tout. Bah, on va voir ça, je vais faire marteau point. Si c'est... Oh putain, il fait Vendetta, le bâtard. Fais gaffe, ça fait super mal, hein, Vendetta, Vendetta, je sais pas quoi, là. Il m'a enlevé que 30 PV, ah, cette merde. Ça dépend du niveau du lanceur, c'est ça ou je sais plus. Je sais plus. Non, non, il est pas type vol. Je viens de lui faire une attaque combat, ça l'a. Il a un Dark Armin à l'arène. Iris ou Watson. Ouais, je crois. Ah ouais. Je vais me soigner là. Puisque voilà. J'ai pas envie de me faire tuer par le Dark Armin. Fais gaffe, il y en a un deuxième après. Mais ce qui est bien, moi je lui ai mis le casque brut à mon Boulette, ce qui fait que du coup à chaque fois que je me fais attaquer, le Pokémon d'en face il se prend des dégâts. Ah, c'est pas con. Comme ça, ça me fait moins de PV à lui enlever. Au cas où je le one shot pas, lui il se tue au tour d'après en m'attaquant. C'est vrai. Racine énergie. Entre chaque combat, moi j'utilise des racines énergie le truc. Parce qu'à l'arène, il en aura plus du tout. C'est pas grave, j'ai plein de fric, je pourrais en racheter. J'avoue qu'on est. On est pas mal riche là pour le moment. Là ça fait. Ça fait quand même. Ça fait quand même mal, hein, les Pokémon, hein, putain. Par contre, faudrait que j'aille me soigner parce que je crois que j'ai bientôt plus de marteau point. Ah, les PP. Sinon, au pire, tu utilises des max elixir. Non, non, faut les garder pour la ligue, t'es fou. T'es fou, moi je les utilise pas maintenant. Hein. On peut aller se soigner, donc j'irai me soigner. Hein. Ok. Ok, un Solochi encore. Bon, ça va, ça va être easy. Ouais, j'en ai plus que 3 de marteau point. Hein. Ah, t'as plus beaucoup. Ouais.
C'est bon, j'ai one shot le Soloshi là. Il y a pas de coupe note. Il y a que des incisages, c'est chiant. Alors ouais. Coupe note, ça serait beaucoup plus simple à tuer. Avec vas-y, marteau point. Oh, j'ai failli le one shot le 1-6-H, mais il va. Oh putain, il fait danse Draco le bâtard. Il fait quoi? Danse Draco. Ah putain, je voulais qu'il me fasse genre Draco Griff et comme ça il se serait tué avec le casque brut. Ouais, j'avoue, mais fais gaffe. Ah, ça va, il fait provoque. Nickel. Elle me fait chier avec Soloshi. C'est bon, je l'ai tué. Et quoi, le Soloshi? Non, le 1-6-H. Non mais Soloshi, franchement, pour moi c'est le plus nul, hein, Soloshi, de tous ceux qu'il y a dans l'arène. Non mais comparé à Flamby, vu qu'il attaque avec des attaques type ténèbre. Ouais. Ça fait super mal. Ouais, mais pour Boulette c'est le plus simple à tuer, tu fais un coup de marteau point terminé, hein. Ouais, ça je suis d'accord. Parfait. Dark Arma, en parlant de Dark Arma, il y en a beaucoup hein, dans l'arène. Putain. Putain, le bâtard Dark Arma, j'attaque avant lui au tour d'avant, et là, comme par hasard, il a attaqué avant moi. Ah, mais non, c'est parce que j'ai fait marteau point, putain, je suis con, mais faut faire gaffe. Ah, ouais. Fais gaffe. Oh, faut que j'aille me soigner là, parce qu'il a failli me tuer, le bâtard. Heureusement qu'il s'est tué tout seul avec le casque brut, parce que. Là, quoi. J'ai failli faire une erreur là. Par contre, je sais pas si on peut aller se soigner, hein. On peut faire demi-tour ou pas? Ah, je crois, oui. Mais par contre, après, faut refaire le putain de labyrinthe avec les statues. Enfin, ça avec... va, c'est pas dur, le... c'est pas... il est pas dur, le labyrinthe. Mais non, mais il est un petit peu chaud. Attends... La même. Sérieux, je crois qu'on peut pas. Hein. Ça va. On peut pas aller se soigner. Pour ça, je t'ai dit, moi j'ai utilisé une élixir pour le flambi. Ah non, c'est pas par là. Ah si, peut-être qu'on peut. Attends, je vais essayer. Non, mais ça fait chier. Hein. Ils auraient dû faire en sorte qu'on puisse aller se soigner. Hein. Ouais. Et je sais pas si les cordes sorties ça marche. Ah ouais, pas con, je vais essayer cordes sorties. Mais je sais pas si ça marche. Hein. Parce que j'en ai, je crois. Ah ok. Après faut que je trouve. Putain, elles sont où mes cordes sorties? Ah mais non, elles sont là. Cordes sorties, voilà. Putain, on peut pas. Deux incisages. Ah merde. Tunnel, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, corde sortie. Et tunnel avec rock horrible. Ouais, pas con, je vais essayer tunnel aussi. Mais je pense pas que ça marche parce que vu que l'arène elle est dans les airs, ça serait un peu débile. Impossible ici, putain. Ah dommage. Ouais. Ça c'est chiant. Je suis d'accord. Parce que vu que j'ai plus de marteau point, je suis un peu dans la merde. Attends, t'as pas des baies qui restaurent des pp? Je sais pas. Toi, je vais voir. Faut regarder au cas. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Hein, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je retombe à l'entrée. Non, j'ai pas de baie. Bon, bah, je vais être obligé de mettre de l'huile, hein. Ça fait chier, mais je suis obligé. Ouais. J'ai un élixir. Est-ce que j'ai pas de l'huile normale? Bah, écoute, moi, je t'attends devant Iris. J'en ai encore pour longtemps, là. Hein. Ah bon? Bah, je pense, hein. Je sais pas trop où je suis, mais. Je crois que je suis pas du tout à la fin, hein. C'est marrant, on peut passer au début et après, on peut plus passer. Putain, je suis bloqué. Ah, j'ai un téléporteur, moi. Ouais, mais le téléporteur, il est que vers Iris. Tu peux pas faire demi-tour avant. Ouais. Bah voilà. C'est ça qui est chiant. Bon, moi, je t'attends.
c'est que t'es obligé de faire tous les dresseurs et seulement juste avant le champion tu peux aller te soigner. Mais t'en as pour longtemps? Bah je sais pas où j'en suis en fait. Là je suis en train de faire marteau point. Ok. Alors moi je vais me soigner maintenant. Ta-na-na. Putain, il a un Drakkar main. L'enfoiré. Franchement, j'ai peur des Drakkar main et des Incisage, hein. Parce que ouais, moi aussi j'ai un peu peur. C'est surtout Danse Draco qui fait flipper. Encore, ils auraient pas Danse Draco, ça serait easy, mais c'est Danse Draco qui est trop cheaté. Bah, c'est un peu comme des molosses, regarde, machination et vibre obscur ou lance-flamme, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Ouais. Bah moi franchement le casque brut il me sert bien hein. Il est où le casque brut? Je sais pas, on l'avait récupéré je sais plus où. Parce qu'en fait quand je one shot pas un Pokémon, il suffit de que je soigne mon boulette et j'attends que le Pokémon il se tue tout seul en attaquant. Vu que le casque brut ça lui inflige des dégâts. Ah, c'est pas mal ça. Ouais voilà, donc bah le Drakkar main il vient de se tuer tout seul. Ah, Sharpness niveau 39. Ok, c'est cool. Je vais me re-soigner là encore. elles sont où les racines énergie? Mais non, putain, racine énergie, j'ai dit. Je crois que j'en ai déjà utilisé au moins 10 de racine énergie alors que je les ai achetées au début de l'épisode. Hop, vas-y. Là, je sais pas où je suis, je crois que je dois arriver vers la fin, je pense. Ok, bah moi je vais me retaper tout le chemin. Je pense que j'ai... Ah non, il y a une meuf. Putain, il y a une vénérable. Ah non, t'as pas fini. Oh là là. T'es sûr? Ouais. Après la vénérable, là, Kimber, qui a un 6H, c'est loin d'être la fin. Ouais, il y a encore 4-5 dresseurs. T'es sérieux? Vas-y, marteau point. Sbim, dans ta gueule. J'ai le temps de farmer des noms, mais oui. Je veux pas le faire. Nickel, ouais, il fait provoque, il a pas fait danse Draco, le bâtard. C'est bien, ça, gentil, un 6H. Oh là là, il fait danse Draco. Oh, méchant, il méchant. Il est pas vraiment gentil, là. Méchant, casse-toi. Tu sais, là, tu fais méchant, casse-toi dehors. Hein. C'est ça. Putain, il a un autre 6H. Vas-y, marteau point. Est-ce que ça va être méchant un 6H numéro 2? Oh, danse Draco, oh le bâtard. Putain, enculé. Enculé d'un 6H, va. Puisque le pire c'est qu'il augmente sa vitesse et qu'après il attaque avant moi. Oh Draco Griff. Pas de coup critique. Ouh ça va. Même coup critique il m'aurait pas tué, il m'a pas enlevé la moitié. Oh bah ça va alors. Ouais mais quand il fait deux danses Draco là ça fait mal hein, je te dis. J'avoue. Niveau 48 popopo. GG. Parce que l'autre fois là, il y en a un, il m'a fait deux danses Draco, je crois. Hein. Et ça faisait mal. Hein. Ah ouais? Ouais. Je sais pas par où faut passer là, je crois que c'est par là. What the fuck? Je suis pas sur le bon chemin. Si, mais non, mais normalement c'est bon là, c'est l'autre chemin vu que j'ai pris le mauvais en fait. Moi je suis presque à Iris. Attends. Si c'est bon j'y suis. Par contre je vais me soigner hein, je vais me soigner. Je les ai tous battus. Faut juste que j'amuse me soigner. Et après on fait le combat. Okay. Combat ultime. Va ouais. Nous gagner ah, j'ai perdu Tranchodon. Tranchodon me fait peur. Bah moi clairement ce que je vais faire, je vais mettre un max de... je vais faire plein de fois engorgement histoire de le one shot hein. Ouais.
Ouais, obligé, hein, je vois que ça en fait, ouais. Sinon, putain, sinon on est dans la merde. Hein. Moi je prends une flambie pour l'arène, je pense. Fais gaffe, le tranchodon, il va te faire mal. Hein. La mâchouille? Je crois, ouais. Je suis pas sûr, mais peut-être. Vas-y, je retourne tout en haut. T'y es là? T'es dans l'arène ou pas? Oui, je suis à l'arène pour le moment, mais je suis pas encore devant Iris. Parce qu'il faut se retaper tout le chemin. Merde, c'est là. Hop. Putain. C'est long hein, quand même de le refaire tout le chemin. Surtout quand le dragon il bouge à deux à l'heure, je trouve. C'est ça. D'ailleurs, dans Noir 2, Blanc 2, c'est l'arène, c'est un dragon. C'est pareil, c'est un dragon qui bouge, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul dragon. Il n'y en a pas trois, alors que là, il y a trois dragons. Il y a trop de dragons et trop de trucs. Et dans Noir 2, Blanc 2, il y a des Dracolos. En gros, ça veut dire t'es dans la merde. Ah, je me rappelais plus des Dracolos. Ah, c'est bon, je suis arrivé. Bah non, moi je suis en train de faire le chemin là. C'est marrant, il y a un bug. Hop. Je pense que je vais sauvegarder devant Iris, non? Non, non, mais sauvegarde pas, pourquoi tu veux sauvegarder? T'es presque arrivé ou pas? Ouais. Alors, flambie. Ouais. Là, j'y suis presque. Parce que je refais tout le chemin là. Avec ce putain de dragon. Ouais. Putain, c'est chiant, à des fois, il faut faire plein de tours. Ouais. Faut faire le tour plein de fois avant que ça. Genre, il y a un dragon, faut faire trois fois le tour avant qu'il mette le bon chemin. Mais ça va, c'est pas trop compliqué. Bah ouais, il suffit de suivre le chemin en fait. Ouais. Par contre, j'avais galéré, moi, c'était contre Zou. La Mais non. difficulté de l'arène. Non, parce que tu sais, j'ai eu un bug, je te rappelle. Le caillou. Le caillou, je passais à travers. Ouais, mais même, c'était facile. J'étais obligé de sortir de l'arène pour que le caillou il repop bien. Sinon, c'était de la. Ça marchait pas. Je crois que j'y suis là. Alléluia. Ouais, j'y suis. Bon, je parle à Iris, d'accord? Attends, là, je suis pas devant. Hein. Le dragon, il est en train de bouger et tout. Oh là, là, je suis devant. Ok. Salut, c'est moi, Iris, le super champion de cette arène. Didi, tu te bats comment? J'ai vraiment envie de savoir. Alors, c'est parti. Je crois que t'as pas le même dialogue que moi. Ouais, je suis enchanté de te revoir. Je me nomme Watson et je suis le champion dévoué de la reine de Genuvia. En tant que maire de cette ville, j'ai investi toute mon énergie dans son développement. Et en tant que dresseur, j'ai. Je n'aspirais qu'à davantage de puissance. Désormais, je ne rêve plus d'un futur radieux que pourrait me montrer un jeune dresseur plein de vie. Puis-je espérer, à l'instar d'Iris, tu me montres toi aussi cette lumineuse voie. Ok, bon. C'est C'est parti. parti, versus Watson et Iris. J'ai peur de son Dark Armin là. Allez, on prie. 41. Quoi, le 1-6-H? Non, Dark Armin. T'as déjà battu un 6-H? Ah oui, je l'ai one shot. Bah oui, ouais, mais tu l'as battu pendant que je faisais le dialogue en fait. Ouais, vite fait. Vas-y, je vais faire deux fois engorgement. Mais disons que Psycho, je one shot. Putain, il fait danse Draco. Allez, Tranchodon. Putain, on va galérer pour le Tranchodon. C'est bon, déjà, un 6-H, je l'ai one shot. Normalement, c'est bon, c'est fait. Déjà, ça c'est fait.
Putain, tranchant de, je croyais la colère, mon gars. Ok, Dark Armin, c'est le plus nul, c'est sur lui qu'il faut faire le max de rengorgement. Hein? Tranchodon, Et la colère! Je crois qu'il a la colère, mon gars. Hein. Tu te fous de ma gueule. Non, non, je me fous pas de toi. J'ai peur qu'il la colère! Ouais, j'ai peur. Ouais, il est paralysé, Tranchodon, bien fait pour ta gueule. Vas-y, moi je fais 3 fois rengorgement. Après, je vais placer une petite vitesse plus, non, 2 vitesses plus, comme ça le Tranchodon, je veux le one shot à tout prix. Hein. Attends. Genre, le Dracarmin, il s'inflige plus de dégâts que. Avec le casque brut, qu'il me fait de dégâts. Genre, il m'enlève 30 PV, lui, il s'en enlève 50. Putain, dans ce Draco, il est fait dans ce Draco, Tranchodon. Non! Putain, le bâtard, il a fait Draco queue, il a fait foirer toute ma stratégie. T'es sérieux? Parce que ça a changé de Pokémon, du coup, tous les rengorgements que j'ai fait, ils servent à rien. Wouah. Putain, il fout la mort, ce Dracarmin de merde. Oui! J'ai tué Tranchodon, yes! Popopo! T'es cheaté, ma pâte à crêpe. J'ai dégommé Iris en beauté. Attends, là, le Dracarmin il me fait chier, j'avais fait 3 fois engorgement, j'allais le défoncer le Tranchodon. Et il a changé ce bâtard. Enfin, il a fait Draco. J'ai gagné 4800 points d'XP. Oh là 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 là, je l'ai démonté Iris, mon gars. Moi je t'attends. Bah là je suis contre le Dracarmin. Ah, t'as battu un 6H, ça va. Bah oui, le 1-6-A, je l'ai vite fait battu parce qu'il faisait danse Draco. Alors que Dracarmin, vu qu'il a pas danse Draco, c'est le plus simple à battre. Fais gaffe parce que Tranchodon, moi, il m'a fait 3 fois danse Draco. Ah bon? Ouais, et fais gaffe, il a colère. J'ai regardé sur internet. Colère, vas-y, puissance. Objet de combat, vitesse plus. Mais non, mais il refait Draco queue, il se fout de ma gueule là. Putain, il me casse les couilles là à faire Draco queue, ce bâtard. Vas-y, je vais lui faire Vampigraine là, il va pas me faire chier. T'as pas intérêt à crever un Pokémon. Oh là, je lui mets Vampigraine dans sa gueule. Je lui ai mis Vampigraine, maintenant je vais l'endormir, comme ça il me fera pas chier. Oh putain, coup critique là, enculé. Oh le coup critique, enculé. Non mais sérieux, c'est ça, il me fait un coup critique. Il fait tranche nuit, coup critique, allez. Fais gaffe, il est putain de puissant son Tranchodon. Oh putain, 20 PV. T'es sérieux? T'as résisté à 20 HP. Oh putain. Vas-y, racine énergie là. Mais à chaque fois que je mets des vitesses plus, que je fais engorgement, ça sert à rien parce que ce bâtard il fait Draco queue et ça change. Ouais, ça c'est chiant. Putain. Ça là, normalement il va se tuer. Ah bon, tu stresses. C'est bon, ça l'a tué grâce à Vampigraine. Ah cool. Maintenant, plus que Tranchodon. L'aile. Moi je l'ai battu, hein, c'était facile. Patacrab est tellement cheat. Est-ce que je tente de l'endormir? Non, je tente pas. Est-ce que je tente? Est-ce que je suis un fou furieux? Ou est-ce que je suis une tapette? Vas-y! Marteau point boulette! Allez! Vas-y, inflige-lui la moitié. Oui! La moitié! La moitié! La moitié! Il fait danse Draco! Il fait danse Draco, là, si je le tue, c'est bon. Oh, il me tue pas, je le tue. Assurance! Oui, boulette, trop de puissance! Allez, boulette! Oh, ça fait au moins la cinquième arène que j'utilise que boulette et qui défonce tout. C'est bon, t'as gagné? Bah oui. Alors, Sharpness fais... niveau 40 en plus. 88 d'attaque, Sharpness, hein, il est même pas évolué. T'es incroyable, je suis trop contente. Trop contente. T'es la personne la plus forte que j'ai rencontrée. Le badge. Le 8ème badge, putain. Bitch.
Vas-y, je fais le dialogue de Watson. Attends, c'est pas fini. T'as 8 badges, 8, c'est incroyable. Tu peux demander ce que tu veux à n'importe quel Pokémon maintenant. Je te donne une CT aussi. Oh, Watson Dracoqueux. Attaque qui m'a bien cassé bon, les couilles. Avec Dracoqueux, tu fais pas qu'infliger des dégâts, tu renvoies aussi le Pokémon ennemi dans sa Pokéball. Dis, monsieur Goya, il fait quoi à ton avis? Y se bat avec ce garçon, la haine. Et tu connais la Ligue Pokémon, elle est juste après la route victoire. Il faut d'abord franchir la route 10. Voilà, à toi. Prodigieux! Je te suis reconnaissant d'avoir pu livrer un tel combat. Ok, il donne le badge. Il est stylé le badge quand même, hein. Ah merde! Après, quoi? Faut qu'on se. Moi je suis sorti de l'arène, il y a Ketelare qui arrive, putain. Bah attends, je finis le. Ouais, t'inquiète. Si je ne me trompe pas, tu as en ta possession tous les badges du Nice. Aucun Pokémon ne saura te désobéir. Je voudrais aussi que tu prennes ceci avec toi. Il s'agit de l'une de mes CT préférées. J'ai nommé Dracoqueux. Ouais, CT qui m'a bien fait chier. Le choc de l'impact de Dracoqueux inflige des dégâts, mais est également si puissant qu'il renvoie le Pokémon touché dans sa Pokéball. Autrement dit, cela force ton adversaire à changer de Pokémon. J'ai une requête à te confier. Je voudrais que tu te rendes à la Ligue Pokémon pour y trouver Goya. Pour t'y rendre, tu devras suivre la route 10, puis la route victoire. Je ne doute en rien de ta vaste puissance de Goya, mais j'ignore l'étendue de la force de ce N. Ok. Bon, ok, donc je sors. Ouais, quitter l'aria. Ouais, vas-y, c'est bon. Hello, comment ça s'est passé avec Iris? Je suis venu pour te faire part du résultat de mes recherches sur le moyen de faire revenir Zekrom à la vie. Je pensais qu'utiliser le Vokid pour une chose pareille était très impoli. Bon, inutile de tourner autour du pot, on l'a dans l'os. Il faut que le Pokémon reconnaisse une personne de valeur pour s'éveiller. Changeons de sujet. Oh, c'est pas super génial, tu as les 8 badges de Nice. Quel talent! Tu ne t'en rends peut-être pas bien compte, mais tu as bien changé depuis ton départ à Runway. Et puisque tu as fini ton pèlerinage dans les arènes, laisse-moi te montrer où il faut aller maintenant. Non mais sérieux, on sait où c'est la route 10 là, hein? J'avoue. Eh ben en fait, parce que t'es une grosse merde, alors on va te dire c'est où. Passe par cette porte pour accéder à la route 10 et tu arriveras au point de contrôle des badges. Traverse ensuite la route victoire et tu atteindras enfin la ligue. Je me rappelle avec l'émotion le moment où je t'ai présenté le centre Pokémon d'Arabelle. Bouf, ça ne me rajeunit pas. Dis-moi, Spec, regrettes-tu d'avoir fait ce voyage avec les Pokémon? Oui. Non, tu me fais chaud au cœur, mon chou. Imagine toujours avec le sourire aux lèvres, votre petite mine épanouie et les étoiles dans nos yeux quand vous avez dû choisir vos Pokémon. C'est encore la naissance d'une belle amitié entre humains et Pokémon. Spec, tu mérites un cadeau. La Master Ball permet de capturer à coup sûr n'importe quel Pokémon. Ça te la coupe, hein? C'est le seul moyen que j'ai de t'aider. Spec, quoi qu'il arrive, les Pokémon sont à tes côtés. Bye bye. Ok, bon bah on s'arrête là, du coup ça fait 30 minutes et route 10 pour le prochain épisode. Ouais, et la capture d'un prochain Pokémon. Voilà. Donc bah voilà, c'était l'épisode chaud patate dans l'arène de Janusia. C'est ça. Et donc voilà, on s'arrête là. Et donc bah voilà, on a enfin récupéré notre 8ème badge. Alors est-ce qu'on a du skill? Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo sur la chaîne de Crawler, sur la mienne. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne de moi et de Crawler. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la chaîne de Crawler pour suivre le quotidien de nos Let's Play. Et on se retrouve pour la suite de ce Nuzzle Change de Pokémon version noir et blanc en mode Nuzzle Change, toujours en coopération avec Crawler 18. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut tout le monde.